Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de The Hunter Call of the Wild pour la phase d'exploration de Mevei Taiga toujours. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc, j'ai été téléporté à l'aire de repos parce que hors vidéo j'ai été fumé et je crois que je me suis fait tuer. Par quoi, je ne sais pas, mais je me suis fait défoncer. Du coup, voilà, pour cette vidéo, on va aller là, hein, et puis on va aller là, on va descendre et après on va remonter. Allez, c'est parti du coup. Alors, on va courir. Je sais pas par quoi je me suis fait éclater par contre, hein, vraiment. Je pense qu'une meute de loups a dû me tomber dessus. Ah, ours brun qui fuyait. Il y a un ours brun. A pris la tangente, la tangente. Ah, mais est-ce que j'ai récupéré mon élan? Ah oui, du coup, j'ai pas été voir. Vous vous souvenez, j'ai touché un élan, un mâle, mais du coup, oh, j'ai bien envie d'aller voir. Ouah, t'es loin. Ah, j'aurais peut-être pu prendre mon quad pour aller un peu plus vite. Ouais, je vais prendre le quad. Je vais prendre le quad pour aller plus vite. Comme ça, je me rendrai beaucoup plus vite sur les lieux. Alors, le garage. Hop. Génial. Et là, vous voyez mon perso avec son sac à dos. Bon, là, je vais faire un max de bruit, hein, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Il n'y a pas de cailloux, mais il y a n'importe quoi.
Alors, sanglier. Je suis en plein milieu de la zone. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le chien aussi, ça aurait été pas mal. Ouais, bah je pense savoir c'est quoi qui m'a éclaté. Je pense que j'ai dû tomber sur des sangliers, les amis. Je pense que j'ai dû tomber sur des sangliers. Et c'est les sangliers qui m'ont éclaté. Parce que j'avais réussi à toucher un élan, mais... Je sais plus où. Je sais plus où précisément. Y a pas de traces de sang. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, c'est perdu. On va laisser le quad où il est. Il y avait 8... Il y avait un troupeau de 8 sangliers quand même, c'était pas mal, hein. Dommage que j'étais pas là. Mais bon, c'est le risque, hein, quand on se met en AFK. Alors, AFK pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappelleraient pas. C'est quand vous posez la manette et que vous ne bougez plus. Vous restez au même endroit où vous êtes, mais vous ne bougez plus. C'est quoi ça? Un truc en plein milieu là. Ah, c'est les cailloux. C'était des petits cailloux, des petits cailloux. Ah non, c'est les feuilles, d'accord. Porte-musc. Porte-musc qui est à 300. 351 mètres. Il y a des loups, les amis, il y a des loups.
Il y a des loups, les amis. Il y a des loups, il y a des loups. Il est à 210 mètres. Pourquoi nerveux? Ils ont reculé au lieu d'avancer vers le bruit de la peau. J'aimerais bien qu'ils avancent vers moi. Ok, il y a trois mâles pour deux femelles. Donc c'est une bonne meute déjà. Je vais essayer de m'approcher au maximum. Et je vais essayer d'en dégommer le plus possible. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un porte-musc? Yep. 172 mètres. Je suis trop loin pour faire un carton plein. Je vais m'approcher à peu près à 150 mètres. Moins bien que ce soit eux qui s'approchent de moi. Là, je vais arrêter de faire de la peau. Vu qu'ils bougent pas. 153 mètres. Entre 153 mètres et 181 mètres. Quand je vais être à peu près à 100 mètres de. Je vais commencer à tirer.
catégorie 5. Bouge pas, hein. Ouais, faut pas que je me loupe. J'aurais la carabine, ça aurait été mieux. Moyen, facile. Si j'arrive à avoir celui en facile, en difficile, ça serait parfait. Je vais essayer de me rapprocher encore. Pour le moment, ils m'ont toujours pas vu. Saloperie. Bon, ils sont en PLS. Là, je comprends pas pourquoi, comment ça se fait qu'ils descendent pas au niveau de leur vie là. Ah la connasse. Ils savent pas où je suis. Ok, mort. Lui va mourir. Il y a un moment donné. Non, mais vous avez vu le bug là ou pas?
Je tire sur elle, hein, pourtant, hein, mais non, 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 pour le jeu, je tire dans la terre. Et que ça va foutre de tirer la terre, t'as raison. Jeu de merde. Allez. Là, normalement, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe. Voilà. Il n'y a plus que lui. Enfin, il n'y a plus qu'elle. Alors, avant que le jeu décide de me faire bugger. Voilà. Bon. J'aurais pris le plus gros. Je les aurais décimés en une balle. Mais, vu que celui que j'ai. Ouais, si, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu. J'aurais pu. Dommage. Eh ben, ça fait beaucoup, ça, dis donc. C'est cool. Alors, et de 1. Ah, en argent, pas mal. Pas mal. En argent. Là, j'ai tiré plus de 2 fois. Ouais. Ok, donc ça fait 2. Ouais, c'est les bonnes balles, mais j'ai tiré 4 fois. Donc ça fait 3. Et 5. Voilà, impeccable. J'ai décimé une meute de loups sans qu'ils me voient. C'est pour ça qu'ils étaient un peu perdus. Toi, t'es un peu loin, ma bébé. Merde. Ouais, elle était un peu loin. En hauteur. On va éviter. Hein. Je peux plus l'avoir de toute manière. Alors, eh ben, écoutez, on va aller. Franchement, je suis content. Hein, pour les loups, là. Bon, un peu fâché que. Un peu fâché dans le sens où. J'ai dû tirer plus d'une fois. Mais je suis content de les avoir décimés. Bon, et par contre, avec les armes de poing, même si j'ai débloqué la lunette, il n'y a pas la lunette pour les armes de poing en vision nocturne. Donc, heureusement qu'on est sur mes Vectaïa et qu'on voit relativement bien, même en pleine nuit. Hein. Affût terrestre. Hop, on va tous. Voilà. Et c'est bizarre d'ailleurs que je les voie encore. Ah, il n'est pas encore 19h, c'est pour ça. Après 19h, les traces, vous ne les voyez plus. Tum 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 t
188 mètres. Ah putain, juste devant lui, quoi. Juste devant lui. Oh. Non. Là, je tire pour rien. En fait, j'essaye de... J'aimerais bien réussir à tirer de très loin. Mais même avec la lunette, ça reste compliqué quand même. C'est faisable après, hein, mais ça reste compliqué, quoi. Par contre, hein, j'utiliserai le plus gros modèle. Hein. Je vois pas où ils sont. Je vois pas du tout où ils sont. Je crois que j'ai trouvé une autre défense, les amis. Je confirme. Je vous confirme, j'ai trouvé une autre défense. Seul problème qui m'embête, c'est que c'est pas loin de là où il y avait les loups. Donc, je vous laisse prendre la latitude et la longitude, comme d'habitude. Voilà. On n'est pas loin du point d'observation. Bien que la nuit est tombée, hein.
Oh là 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 là. Il y a un ours, il y a. Il y a un ours, un lynx. Manque plus que les loups au tableau et c'est parfait. Allez, derrière. Alors attendez, l'heure. L'ours, il va pas comprendre. Un coup, il entend un lièvre, un coup, il entend un faon. Approche-toi, ma grosse, approche-toi. Je sais pas où elle se planque, mais elle est derrière l'arbre. Elle devrait pas être loin de moi, hein. Alors, t'es où ma grosse?
pas l'air de vouloir venir. J'attends encore quelques petites minutes et puis... Pas l'air de vouloir s'amener. Bon allez, t'as gagné, je te laisse gagner pour cette fois-ci. Bah, j'étais même pas sur le lynx, donc pas de remords, enfin sans aucune. Hein. Pas de regret. Oh. Ouais. Il m'a vu. Oh, des petits sangliers. Ça commence à me gaver hein, le bug de texture où t'es sur un animal et au final tu tapes le sol, ça commence à bien me gonfler. Hein. Parce que là j'étais bien sur l'animal. Hein. Il est où? J'ai vu le tétra.
Artemis. Il est parti se cacher. Le grand tétra est parti se cacher. Et je pense qu'il est parti se cacher là-dedans. Alors, est-ce qu'on a... On n'a pas de d'appôt pour les tétras. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, allez, on avance là parce que... Bien dégoûté hein, pour le sanglier quand même hein. Sont les qui sont là-bas. Allez là! C'est une blague? J'arriverai pas à monter sur la pierre, malheureusement.
Beaucoup trop haute. Ah, c'est pas du côté où je pensais. Oui, viens mon petit. Alors, est-ce que t'en as d'autres avec toi? Oh, saloperie. Bon, j'en ai touché une. Enfin, j'en ai touché un, pardon. Allez, lève-toi, fais quelque chose, là, cours. J'ai eu un sanglier. Sur tous ceux qui étaient là. En argent, c'est cool. À 90 mètres, c'est pas mal. Mètres. Bon les amis, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On va se quitter comme ça pour. On va se quitter comme ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire. C'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la phase d'exploration de Mevei Taiga. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut!